petit William. Oui, c'est bien. Yo Morey, comme tu peux voir, nouvelle vidéo. Bon, c'est pas vraiment une vidéo tuto, mais ça va être une vidéo où on finit de remonter le moteur, on va le jeter dans la partie cycle et on va faire le premier démarrage dans cette vidéo. Ok les khals, donc là on a fait une journée pour moi, il est 19h là actuellement, donc moi je vais me speeder. Tu vois que je parle super speed, il n'y a même pas... voilà, j'ai perdu le filon. J'allais dire, ouais, j'ai pas mis le mode accéléré. Hey, il est presque, il y a la roue, il y a tout, il commence à mettre le pot là, le pot de ses morts là. Je commence à me saouler là, parce que le trou là il tombe pas en face ici. Oh non, j'ai fait ça, putain. Oh non, putain, non, 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 non. J'ai fait. Oh putain. Oh, ça va, il a rien. Ouh. Ouais, comme je disais, le trou, il tombe pas en face, là, c'est bizarre. Pourtant, c'est la pâte d'origine. Et quand je le mets, là, je le mets. Voilà. Et quand je viens comme ça ou comme ça, là, quand je viens à peu près comme ça, bien aligné, tout comme il doit être, sans toucher le pneu, sans rien, il tombe pas en face. Donc, il va falloir que je repère ça à côté. Alors, je comprends pas, toi. Alors, je vais faire ça maintenant de suite. Regarde, va voir. Tu vois, ça, le trou, il atterrit là. Bien emboîté, tout ça. Donc, ce que je vais faire là, actuellement, je lui mets même des vis neuves. Il avait pas de vis neuves. Regarde là. Les jolies vis neuves. On va tout serrer à la Loctite, tout ça. Comme ça bougera plus jamais. Bon, j'ai plus la ulti. Malheureusement, j'ai dû en acheter une chez Action. Ça a trois fois moins de puissance. Mais pour l'instant, c'est fiable. Je lui donnais un peu, là, quand j'ai dû limer le carter. Ça va, ça allait bien. Ça va, fait le taf, hein. Même les petites mèches de chez Action, ça fait le taf aussi, hein. Des bavurages. Ah. Voilà, on avait bavuré. Voilà, je pense que oui, hein. De toute façon, je peux monter définitivement. Hein. Tac. Un truc derrière. Une vis, un bout de vis qui dépasse. Un petit peu long, c'est bon. Ça va, c'est pas si moche, c'est pas si grand. Voilà, comme ça. Et là, le pot, je pense qu'il va bien tomber là. Mon Dieu que ça va être beau. Bon, la pâte, elle sera un petit peu décalée, mais au moins ici, fiable. Parfait. Il a un petit jeu. C'est nickel. Moi, c'est pas un montage fixe. Allez, je monte la cartouche et tout là. Et bang bang. Bon, aujourd'hui, ces petites vidéos tranquilles, vite fait les rats. Là, ce qu'on va faire, moi j'ai déjà sorti le scooter. Il marche plutôt pas mal. Je te mettrai un extrait dans cette vidéo. Mais déjà, premier roulage, carburation trop pauvre. Déjà d'une, j'ai pas préparé le carbu. Et là, je viens de le préparer. Parce qu'il me tardait de le faire rouler, il me tardait de l'entendre démarrer. Du coup, il y avait besoin d'une prépa carbu, d'un réglage carbu. Les galets sont trop légers. L'embrayage qui colle trop tôt. Et c'est tout.
Donc voilà. Donc là, je viens de le faire. Normalement, tu es au courant de comment je procède sur les carburants PWK parce qu'ils ont la maladie que l'arrivée d'essence arrive mal. Donc là, j'ai repercé en 4 mm l'arrivée d'essence. Ensuite, mis une vis, t'as rodé, mis une vis avec de l'eau. Il y a le puits de 30 trous. L'arrivée d'air pour le puits, c'est du 1,5 mm. Je l'ai grossi en 2 mm. Comme ça a aligné avec le socle du puits. Voilà, ça c'est fait. Là, actuellement, j'ai changé déjà les galets. J'ai mis les galets réglables. Donc j'ai mis 3 galets réglables, 4 grammes. Et 3 galets normales de 3,5. Donc on va tester ça. J'ai durci aussi l'embrayage, donc les ressorts d'embrayage, c'est-à-dire que j'ai mis 2 tours à chacun. Donc t'as des petites vis que tu serres dans les ressorts, donc j'ai mis 2 tours à chacun. C'est vraiment là, ça collait trop tôt. C'était vraiment trop tôt. De toute façon, tu le verras dans la vidéo. Et là, actuellement, je suis en train de d'usiner le carter là pour que la cloche Motoforce puisse passer. Là, je suis en train d'usiner le carter. Elle ne passe pas de pas beaucoup, hein. Vraiment, c'est pas beaucoup. Donc, du coup, j'ai foutu un coup de meule et un coup de meule parce que si tu veux, autour de la cloche, t'as l'anneau en orange là pour renforcer la cloche. Là, je viens de finir d'usiner. Je nettoie un peu l'émail là et ensuite on va remonter ça là et on va aller refaire un deuxième test. Donc, tu m'en excuseras, j'ai pas filmé les changements de galets, la prépa carbu, tout ça parce que bon, tout le monde sait le faire, hein. C'est pas sorcier, c'est pas comme un truc qu'on ne voit pas tous les jours. Donc, j'ai fait la prépa carbu et aussi au carbu, j'étais en gicleur 140 et un gicleur ralenti 38 avec l'aiguille au milieu. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un gicleur ralenti de 41 et ainsi j'ai mis le gicleur principal de 150. Ouais, j'ai voulu faire plus parce que bon là, du coup je suis passé en galet de 3, enfin de 6 fois 3,5 g en 3 fois 3,5 g et 3 fois 4 g en réglable. Donc on va voir ce que ça dit, j'ai durci l'embrayage, donc on va voir ce que ça dit. Mon allez, sur ce, je vais monter ça vite fait et bang bang. Ouais, il est bien grand. Ouais, l'embrayage à voir. Bon, je le laisse chauffer jusqu'à 60. Sa température max, c'est 62 au ralenti. Après, en roulant, je sais pas, faut savoir qu'il y a 3 degrés de différence quand le moteur il est éteint et quand il est en marche. Parce que la sonde détecte le vent de la turbine. Voilà. Le petit CLM bloc du KRM qui fait bien, bien le taf pour le pot là. 48, ça monte vite. Ah, il a le démon, hein. C'est trop bien. Ça a l'air de bien marcher. Donc là, on a mis les températures. Compteur de température, wow, 72. Ouh, comment il marche. Ah là, il chauffe, il a 83, 84, 85, ça c'est des moteurs qui surchauffent. Ça chauffe plus qu'une 50, ça. Ah, c'est bien là. J'accélère même pas le car. Il n'a même pas bougé, ma main. Quand t'as le brac, 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 il est bien riche là. Même là, regarde, écoute. Tu vois, là, il est bien riche en bas. Même à la reprise, il est. Oh, on est à 101 degrés. Ouais, là, il stagne à 101 degrés. 101 degrés à la bougie. Ah, c'est normal, hein. C'est un scooter.
Hein, c'est comme ça, les moteurs à air ils surchauffent. Hein. Après, il faut savoir que le cylindre de piston il est vachement serré. Donc, ça arrange pas la chose. À mon avis, le rodage il se fait là. Ah, c'est abusé. On dirait un nitro, je te jure. Vraiment, on dirait un bloc nitro. Oh, c'est une machine à wheeling. Voilà, je suis un peu trop léger en galet, mais c'est amusant, c'est trop bien comme ça. Le propriétaire, c'est pas faire de wheeling. C'est pas faire de wheeling. Oh, t'as abusé. Pas mal la petite bécane là. Ouais, je peux pas rouler sur deux roues, c'est impossible. Ouais, je vais lui mettre le plein. Ouais, les gars, moi j'ai déjà fait un rodage au ralenti, chaud froid toute une après-midi. Et là après je le rode en wheeling quoi, juste en faisant des coups de gaz comme ça, bep 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 bep. Oh, ça marche trop, c'est trop bien. Vraiment, je kiffe les morts. Ah, merci. Je vais mettre du petit 98 du Seigneur avec de la 710. Oh là là, le 98, il a 2 €. Quoi, 2 € le litre là, oh là là, comment ça refuser? Bon ben je me la rentre, oh là là, le pantalon ça y est, il est mort. Ah mais c'est lui qui fuit là, oh non, ah c'est le frein avant qui fuit, putain je suis en train de tout niquer. Mais il passe sur le côté ce con là. Enfin, il me ramasse yo. Ah putain, je suis deck, je voulais mettre le plein. Fais chier là. Putain, j'ai des sous sur la. Ah ben non. C'est vrai, j'ai plus de sous. Merde. Eh ouais, je viens de penser que hier j'ai payé les factures. Eh ouais, le loyer, l'électricité, l'eau, internet, téléphone, les scouts, la voiture. Yeah.
travaille pas, c'est une machine à wheeling, hein, les gars. Ouais, en roulant, il monte à 100, dans les 100 degrés en roulant. Ouais, il manque de la reprise un peu. Ah, ce scooter, il tire à gauche. Le cadre, il est tordu sur ce scooter. Il tire sur la gauche. Alors que le booster derrière, il le fait pas. Hein. Ouais, mais j'ai tiré un peu de temps pour voir le réglage quand même. Allez, tard, hein. J'entends la transmission. Je l'entends là. Ouais, trop courte. Lâche-la encore. Ouais, les galets sont trop légers. Faut que je mette des 4 grammes. Là j'ai mis 3 grammes sec et 3 4 grammes. Donc je vais mettre les 6 à 4 grammes. Oh, on est à 120 degrés là.